Ok, il est là. Vous l'avez vu? Oh putain. Ok, yo les gens, c'est Ninjax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo gameplay sur un jeu SCP. Alors, ce jeu en question, c'est SCP-093. Je sais pas si vous le connaissez, mais vous l'avez vu dans l'extrait de la série que je traduis, là, Confinement. Donc, on va sans plus tarder commencer. Alors, c'est une démo, hein, c'est un jeu indé gratuit fait par un mec. Donc on va commencer, hein. Play Story, let's go. Ok, loading, bon, c'est un peu long. Alors, en fait là, voilà, ils sont en train de parler d'un accident qui s'est passé avec 093. Vous avez le temps, là je passe, si vous voulez lire, lisez, hein, voilà. Alors voilà, on a la gemme pour passer, voilà, ça c'est le truc pour rentrer dans le... Bon là je l'ai plus, mais c'est le truc, j'ai un gun, c'est cool ça. C'est le truc pour rentrer dans SCP-093. Là, il vient de dire bienvenue. Please be aware that we cannot contact you from our side due to some unforeseen changes in the portal's composition. Keep in mind that your objective. Là, il me dit de chercher des trucs. Alors voilà, current objective. Alors ce que je dois faire, je dois trouver un livre, un paquet de céréales, 3 papier, je dois prendre des photos de terrain, de huge créatures. Ok, je dois prendre une photo d'une créature énorme et de brown substance. Je sais pas ce que c'est que brown substance, de toute façon, on va juste tester. Hein. Comment on ouvre... Attendez, que je retrouve la touche pour ouvrir mon appareil photo. Ok, j'ai retrouvé CC. Ouais, CC, ok, c'est bon. J'ai du mal, mais j'ai retrouvé. Bon, bah, go dans le miroir. Waouh, les effets. Alors là, je suis dans 093. Hein. Donc n'oubliez pas, c'est un genre de gros monstre qui a pas de jambes, qui a en fait c'est coupé au ventre genre. Alors on va essayer de monter hein, pour voir. Oh, là-bas, là il y a une colline un peu grande. Alors c'est ça. Alors je peux courir, voilà. C'est un monstre qui a pas de jambes mais qui a des bras énormes et qui est énorme quoi. C'est genre un moitié de titan dans l'attaque des titans. Voilà. C'est un gros truc. Alors j'ai un gun, je peux tirer mais je vais pas tirer parce que si ça l'attire, ça va pas le faire. Alors la plaine, pour l'instant il n'y a pas de monstre, hein, je le vois pas. Je vois pas le monstre. Ah mais il y a une petite cabane là, on va aller voir la petite cabane. Peut-être qu'on va trouver des trucs, on va couvrir un peu là parce que... Ouais c'est un peu long quoi. Donc je dois chercher, alors, un livre, une boîte de céréales, des papiers, des articles. Je dois faire une photo de landscape, bah attends, ça je peux déjà le faire. Voilà, landscape.jpg, voilà je viens de prendre une photo de landscape. Je vais essayer de tout prendre en photo parce qu'en fait je sais pas ce que c'est la brome substance. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des papiers. Ok d'accord, je viens de comprendre. Alors Auguste en août 29. Je lis avant de vous dire. Ok alors en gros le texte il parle de la zone 8C qui maintenant pour nettoyer la zone c'est un peu compliqué parce que le miroir n'est plus safe. Il est plus safe là, le miroir que je viens de passer. Et il vient de passer à... Merde, je voulais bouger le truc pour vous montrer, mais regardez. Il vient de passer à retour de miroir bunker. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi je suis là où il y a le pont où il y a écrit IR. Et qu'il y a un bunker derrière, un petit peu plus loin que le miroir. Donc on va aller voir le bunker, je pense. Qui est là-bas, si j'ai bien compris la map. C'est pas ça, bon, monsieur, sans ça. Non, ça c'est landscape encore. Bon bah, il n'y a toujours pas de grosses créatures. J'espère la rencontrer parce que c'est un peu le but de la vidéo. Vous savez, montrer le gros monstre, hein, le truc qui va faire des clics parce que je vais mettre ça sur miniature. Mais aussi, c'est un jeu qui peut être pas mal. Hein. C'est un jeu de survie, puzzle un peu, je trouve ça marrant. Si je trouve d'autres jeux indés à faire en vidéo, pourquoi pas le faire. Là, j'ai vu qu'il y avait des Américains qui l'avaient fait. Donc le miroir était là, hein, ici, là. On va aller par là-bas. J'ai vu que les Américains l'avaient fait, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Ça peut être intéressant pour les Français, hein. Parce que moi je fais du SCP pour les Français, pas pour les Américains, à ce que je sache. On va couvrir un peu parce que ça devient long et chiant là. Ah, trouvé. J'ai trouvé, il est là-bas, regardez là, le trou. Et toujours pas de grosses créatures en vue. Ok, j'arrive au bunker, toujours pas de grosses créatures en vue. On va rentrer. Hein. C'est ça qui est un monstre. Ok, c'est pour ça que j'ai une lampe. Ok, ouais, c'est un bunker un peu bien pété quand même. Merde, j'ai un climb up. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, il est là. Vous l'avez vu? Oh putain.
C'est. Ok, il va falloir que je me rapproche. Regardez, il est là. Il est là, ce con. Bon, attendez, on va rentrer. Il me fait peur. Moi, je vous ai dit, j'aime pas les jeux d'horreur. Ok, donc, je dois trouver quoi déjà? Un livre, une boîte de céréales, des documents et des articles. Ok, on va essayer de trouver ça. Hein. Ok, j'ai pu ouvrir la porte. Don't touch this, this can teach you. Don't want turn into one them, do you? Ah, c'est ça le. La substance brand. Voilà, la safe substance. Donc voilà, je viens de prendre. La... Donc faut pas toucher ça, ok. Est-ce que je peux prendre juste la feuille? Ok. Là, ils me disent que le mur a été couvert d'une substance bizarre. Je peux pas virer. Moi, je sais pas. On va essayer d'ouvrir les autres portes. Ah, attendez. No matter what they told you, you are here to die. Ah, donc je suis ici pour mourir, à ce qui paraît. Ok, c'est fermé. Oui, c'est vrai, un pistolet, ça aide pas à ouvrir les portes. Ah si, tu peux tirer sur la poignée. Alors j'ai pas envie de remonter si je retrouve ce putain de monstre. Et je pense que je vais quand même devoir remonter, mais attendez. Je peux pas passer là? Bon bah, je pense que je vais devoir remonter, hein. La map, vite fait. Donc je pense que je vais essayer de retourner au miroir bunker. Je pense que c'est là où je vais trouver toutes les la bouffe et tout. Donc on va essayer de remonter et de pas mourir. Ok, il est là-bas. C'est con, c'est là-bas que je vais me diriger. On va faire le grand tour. J'espère qu'il n'y en a qu'un par contre. Parce que s'il y en a plusieurs, je suis pas dans la merde. Moi je vous le dis, hein. On va courir un peu. Regardez, là je l'ai en photo là. Et ils me disaient Enscape alors que là je l'ai bien en photo là. Regardez, putain, il fait peur ça. De m'approcher de lui. Alors moi mon objectif c'est là-bas, hein, comme je vous ai dit là. Donc on va juste pas essayer de se faire remarquer. Avancer gentiment sur le côté du mur là-bas. Comme ça je vais pouvoir le bait et aller tout au bout. Voilà, là, je vois la porte d'ici là. Vous la voyez la porte. On va y aller, on va faire ça safe. Putain, pourquoi ce con il vient vers moi là? Ah, j'ai peur. Les gens, je vous le dis, j'ai peur. Ok, c'est bon, il se retourne. Je sais pas comment il fonctionne ce SCP. Je sais pas si genre il doit me voir ou je sais pas. Si je dois être à une distance, j'en ai aucune idée. Faudrait peut-être que je lise les fiches de SCP un jour. Bon, on approche bientôt vers le mur où il y a la porte au bout là-bas là. L'autre monstre il est encore derrière, hein. De toute façon il est toujours derrière. Je vais essayer de le prendre en photo avant de me barrer. De toute façon c'est le but, hein. Je dois prendre une photo je crois. Ouais. Je dois prendre une photo du huge creature. Et toujours trouver une box, un book, un céréal box et trois papiers. Alors je vais tirer qu'en extrême urgence s'ils font sur moi ou des conneries comme ça. Parce que si le bruit ça l'attire, ça va pas me faire plaisir, tu vois. Ok, alors je vais me rapprocher le plus possible de la porte avant d'essayer de m'approcher de lui et me prendre en photo. Parce que s'il se retourne d'un coup et qu'il me court, ça va pas le faire. Putain, c'est glauque, qui rampe quoi. Vraiment, lui, ce CP il est glauque de ouf quoi. Franchement, j'aimerais tellement pas être une classe D, vraiment. Moi, je serais mort dès le premier jour, je pense. Bon, je pense que je peux choper la porte en courant là, donc on va essayer de se rapprocher de lui et faire une photo. Genre, si je fais ça là. Okay, il veut pas, il veut que je me rapproche plus de lui. Youhou, la créature, si je tire. Est-ce que, à votre avis. Déjà, attendez, déjà, je vais voir si la porte s'ouvre, parce que si la porte s'ouvre pas, je me sentirais bien con. Ok, la porte elle s'ouvre, je suis rentré. De toute façon, pour partir, je pense que je vais devoir aller prendre une photo de lui, donc on va le faire ça après. Alors, il y a un long couloir, et puis sinon, il y a une porte, ouais, voilà. Bonjour. Ah, donc ça, c'est le miroir pour revenir. C'est tout. Ok, c'est tout. On dirait qu'il n'y a que ça. Donc, je vais essayer d'aller prendre une photo et de me barrer. Mais j'ai toujours pas trouvé le book, le céréal et le papier, hein. Je sais pas où c'est. Hein. Mais il n'y a pas d'autres choses sur la carte? Non, il n'y a rien, il hein. Y a juste ça. Hein. Dans le bunker, il n'y avait rien d'autre. Hein. S'il te plaît. S'il te plaît, ouvre la porte. Ah, donc je peux pas. Bon bah, c'est pas grave, on va se barrer. Hein. De toute façon, voilà, j'ai fait ma mission, j'ai voulu prendre le truc et j'ai pas pu. Oui, bonjour, voilà. Désolé, mais il n'y avait pas. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Bon, j'ai fini mon test, je peux.
Ouais, c'est bon, je suis revenu. De rien. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Allez, c'est bon? C'est terminé? Oh, Zerar item missing. Oh, c'est ballot. Oh, image liste incomplète. Oh, c'est ballot. Bon, vas-y, je vais quand même y retourner. Alors, ok, je suis retourné pour juste prendre une photo de lui. Et de mourir, je m'en bats les couilles, hein, on va juste le prendre en photo. Tiens, on va aller le déboîter avec mon gun. Comme ça, au moins. Oh putain, il est juste devant moi là. Regardez, putain. Ok, créature JPEG. Ça va faire une bonne miniature. Oh putain de ta mère. Attendez, j'ai vu un truc où je pouvais enlever la HUD. Ah, j'ai enlevé la HUD. Regardez. Regardez le putain. On va essayer de s'approcher pour faire une bonne miniature. Oh, il m'a vu. Ils font sur moi là, on est d'accord. Alors vas-y, rapproche-toi un peu. Rapproche-toi un peu. C'est pour une miniature, monsieur. Il fait des bruits un peu chelous aussi. Attends. Voilà. Là, on va dire que ça fait une bonne miniature. Allez, on se barre. Hey, ciao, au revoir. What the fuck, il va vite. Je veux pas mourir. Ah, je suis mort, je pense. J'ai ouvert une page, voilà. Oh, attends, on va lui tirer dessus. Ça ne sert à rien. Boomker, sauve-moi, Boomker. Oh, je l'entends d'en haut. Attends, c'est la deuxième fois que j'appuie sur ce putain de bouton que je dois pas appuyer. Vous savez ce qu'on va faire? On va remonter à la surface. Et on va affronter le monstre. Comme un homme. Let's go. Ouais, je suis mort. Oh, je suis pas mort. Il est juste devant moi. Aïe. Il vient de me frapper là. Attends. Je peux avoir une meilleure. Ah, je l'ai bloqué. Ah, il est bloqué ce con. Bon, bah voilà. Je pense qu'on va se quitter là avec mon bro SCP-093. Donc, si vous voulez plus de contenu du style, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. C'était Ninjax et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.